Fais-moi confiance. Va la chercher en voiture. Ok? Tu lui tiens la porte dès qu'elle arrive, surtout. Emmène la chérie, tu. Sur la 15e? Ouais, puis tu prends des pâtes au pesto et tu commandes pour elle. Okay? Sur le chemin du retour, tu lui mets la musique de son choix et le tour est joué. Tu rentres avec. Ok. Ouais. Mais depuis quand t'es sexologue, toi, en fait? Je l'attendais, celle-là. Si on peut même plus aider les petits frères. Je t'en foutrai, les petits frères. Hey, tu te souviens de Jenny? Jenny? Un peu, ouais, que je m'en souviens. Tu te l'es tapé au lycée, non? Ouais, j'avais commencé non, un peu à... N'importe quoi. Il a fait croire à tout le monde qu'il fricotait avec elle jusqu'à ce qu'on découvre, une semaine plus tard, que la meuf, elle connaissait même pas son prénom. Surtout qu'à l'époque, t'étais loin du... Taïk et des taïk, ouais. Attends. C'était quoi son surnom déjà à l'époque? Je l'ai. Juice la binocle. Juice la binocle, exactement. Ouais, tu lui enlèves ses lunettes, il voit pas à 100 mètres. Ok, messieurs, on ressort les photos d'enfance de tout le monde. Oula, ça va, t'es pas bon. Alors fermez-la, c'est mieux. Et puis de toute façon, c'est de l'histoire ancienne. Jenny et moi, c'est terminé. Je l'ai même plus sur les réseaux. Nulle part. Ouais. Dis, c'est qui elle? Elle est super bonne. Ferme-la. Oh, ça va, elle a des écouteurs, mais par contre, son petit cul. Tu dis ta gueule, ça va, t'es pas obligé de me faire quoi, aussi, mais ça, tu m'as fait mal à la jambe. Ah, je t'ai fait mal à la jambe, on peut voir ça. Et là, t'as mal à la jambe. Mais tu fais chier, t'es même pas marrant. Dégage, dégage. T'es même pas marrant. On va te faire voir. Je dois marcher comme doctorat jusqu'à la fin de la semaine. C'est ça. Elle savait tout de moi, mais elle m'a voulu devenir celle qui pourrait. Devenir celle qui pourrait changer. Bonsoir. Je vous demande pardon, j'entendais comme des bruits d'oiseaux. Des colibris. Ok. Alors, je venais vous ramener votre chien. Il était en plein milieu de mon salon. Merci. Pardon, c'est à cause du déménagement, il est un peu perturbé. Juice, rentre à la maison. Comment vous venez de Camille, enchantée. Taïk, enchantée. Rouge ou blanc? Rouge ou blanc? Rouge. Ou blanc? Rouge. Juice? Tu nous sers de verre de vin rouge? Non.
Tu as cru? Vraiment. Ok, 1-0, je me suis fait avoir. Bon. Tu m'as ramené mon chien, je te dois bien un verre de vin rouge. Ça se fait entre voisins, non? Ce sera impoli de refuser. Je te laisse t'installer et j'arrive. Cool. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas tout de ma gueule. J'avais toujours imaginé les vétérinaires vieux. Quand je te vois, ben... T'es pas du tout vieille, quoi. Mais moi, quand j'étais petite, c'est docteur que je voulais faire. Ah ouais? Mais bon, après, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que... l'humain méritait pas d'être sauvé. Les animaux, bien plus. Les chiens, surtout. Un chien, ça te trahira jamais. Non, les chiens, ils sont fidèles. Tu danses? Quoi, tu sais pas danser? Moi, j'ai été 2 fois champion de salsa, mademoiselle. Alors, vous inquiétez pas, je sais danser. J'en ai vu des vétérinaires. Pas des comme toi. Oh, chelou ta déco. Coucou toi. Préparer ton petit déjeuner. Arrête. T'as plus à t'inquiéter. Je vais m'occuper de toi maintenant. On sera toujours ensemble. Tu vas voir.
Jay, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Je me sens vraiment pas bien, là. Rappelle-moi. Rappelle-moi, Jay, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? J'aimerais bien que t'arrêtes de m'ignorer, j'ai un truc à te dire. Je sais pas ce que tu fais. Dis-moi... Dis-moi quelque chose, s'il te plaît, rappelle-moi. Yo, qu'est-ce qui t'amène? Pardon, Juice, mais tu répondais pas à mes messages. Ouais, je suis désolé, j'ai pas une seule seconde à moi. Je passe mes soirées en studio. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est de moi? Mais Jay, je couche qu'avec toi. Oh. Et depuis quand? Bientôt 2 mois. Ah ouais? Du coup, t'as besoin de sous pour avorter, c'est ça? Bébé, je te présente Camille, Vanessa, une pote du bahut. On se voit en cours.
Joyeux anniversaire, ma chérie. On est tous les trois maintenant. J'aurais sûrement dû dire non avant qu'on soit béni. Mais j'ai dit oui, oui je le veux. Moi j'ai dit oui, pensant que ce serait mieux. Ouh, et maintenant je suis marié, le mari de la pire femme. Moi maintenant je suis lié, 3 années avant je croyais en nous. Mais on est arrivé au bout. J'aurais dû dire non. J'ai enfin pu voir et comprendre que je n'étais pour toi qu'un étranger. J'ai prié le Seigneur de t'aider à changer, de m'aider à t'aimer. J'ai prié le Seigneur de t'aider à changer, de m'aider à t'aimer. J'aurais dû, j'ai pleuré.